Quelqu'un lise pour nous Joël chapitre 2. Let someone read for us Joel chapter 2. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. Il y a beaucoup de visions. There are many visions. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. It is the work of the Holy Spirit. Ne soyez pas étonnés si pendant le combat spirituel, Dieu donne des visions à son peuple. Do not be astonished if God gives vision to his people during the spiritual warfare. Quand le corps fonctionne normalement. When the body works correctly. C'est ainsi que les choses doivent se passer. That's the way things work. Même si tu n'as pas encore eu ce don-là. Even though you have not got that gift yet. Écoute attentivement. Listen carefully. En écoutant, tu discernes. While listening, you can have the discernment. Ceux qui ont le discernement peuvent témoigner que Dieu nous a déjà montré notre victoire. Those who have discernment can testify that God has already shown us our victory. Ce que nous sommes en train de faire concerne toutes les nations. What we are doing concerns all the nations. Le Seigneur m'a révélé que un jour, the Lord revealed to me that one day, quand le programme sera lancé, when the program will start, ça sera toutes les nations, même ceux qui ne sont pas nos frères en Christ. It will be all the nations, even those who are not our brethren in Christ. Ils vont se tenir avec nous pour intercéder pour la délivrance des familles. They will stand with us in order to intercede for the deliverance of families. Et un frère a eu la même vision, il a rendu témoignage ici. And a brother got the same vision and testified here. Et notre missionnaire de San Pedro a eu la même vision. Our missionary in San Pedro also got the same vision. N'abandonnons pas nos familles. Let us not abandon our families. Comme beaucoup l'ont fait. As many have done. En pensant que quand tu crois en Jésus, believing that, thinking that when you believe in Jesus, tu abandonnes les sorciers. You forsake which people? C'est une erreur. It's a mistake. Tu dois aller les chercher. You must go and seek them. Tu dois prier pour eux. You must pray for them. Tu dois intercéder pour eux. You must intercede for them. Si tu pries avec quelqu'un qui tue les sorciers, ne lui dis même pas au revoir. Tu prends ton sac, tu sors sans même lui dire au revoir. If you pray with somebody who killed a witch in his prayer, do not even say goodbye to him. You just take your bag and flee from him. La prière n'a pas été faite pour tuer tes parents sorciers. Prayer was not given to us by God to kill our parents who are weak. Dieu a enseigné la prière pour qu'on prie pour nos familles. God taught us prayer for us to pray for our families. Afin que nos familles soient sauvées. So that our family can be saved. Même la famille chrétienne, even the Christian family, n'est sauvée que par l'intercession. Is saved only by intercession. S'il y a le désordre dans un milieu, if there is disorder in a milieu, dans une église, in a church, il faut un. It takes one qui peut se tenir devant Dieu, who can stand before God, pour dire à Dieu, to tell God, ne détruis pas, do not destroy, donne le don de repentance, give the gift of repentance, ramène les cœurs, bring back hearts, délivre des pièges, deliver from traps. Quand Dieu t'exauce, when God answers you, il te nomme en même temps, tu deviens le chef. He now even appoints you and you become the chief. Parce qu'il aime ceux qui intercèdent pour les coupables. Because he loves those who intercede for those who are guilty. Que personne ne vous séduise. Let no one deceive you. Par une fausse vision, une manipulation, des faux enseignements. By a false vision, manipulation and teaching. Dieu a loué, il a félicité Salomon. God congratulated Solomon. Pourquoi?
Why? Il a demandé à Salomon. He asked Solomon. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? What do you want me to give you? Salomon a demandé la sagesse et l'intelligence. And Solomon asked wisdom and intelligence. Il lui a dit c'est bien. He said this is nothing. Parce que tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Because you did not ask your enemy the death of your enemies. Il faut que Dieu te dise un jour que c'est bien. It takes that God tells you one day that it is good. Tu n'as pas prié pour la mort de tes ennemis. You did not pray for the death of your enemies. Et il va te donner 100 fois ce que tu demandes. He will give you 100 folds what you are asking from him. La parole révèle que Dieu est le juste juge. The word reveals that God is the righteous judge. Il a dit dans sa parole. He said in his word qu'il ne tient jamais un coupable pour innocent. He does never hold someone who is guilty as an innocent. Il a dit dans sa parole. He said in his word, à moi la vengeance. To me vengeance. À moi la rétribution. And to me retribution. Il ne veut pas que tu l'aides à faire ça. He does not want you to help him to do so. Tu peux l'aider en évangélisant. You can help him by evangelizing. Mais tu ne dois pas l'aider en jugeant les gens. But you must not. Il ne t'associe pas comme son couvrier dans le jugement. God does not associate you to him as his co-worker in judgment. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Si tu es dans cette salle, si tu as prié que quelqu'un meure, if you are in this hall and you have prayed that somebody dies, tu dois te repentir. You must repent. Tu es arrivé dans la présence de Dieu. You have been in the presence of God. Tu dois enlever les souliers que tu portes. You must remove the shoes that you bear. You wear. Les souliers de meurtrier. The shoes of murderer. J'étais dans un taxi un jour. I was in a taxi one day. Une femme était en colère. A woman was angry. Elle dit, je veux tourner le chapelet aujourd'hui contre toi. She said that I'm going to turn the chapelet today against you. Je lui ai dit, madame, on ne tourne pas le chapelet contre les hommes. I told her, madam, we don't turn the chapelet against men. Il y a une sœur, je ne sais pas si elle est dans la salle. There is a sister, I don't know if she's in the hall. Elle priait quelque part. She was praying somewhere. Et quelqu'un l'avait offensée. And somebody offended her. Un adepte de ce mouvement qui se dit chrétien lui a dit, non, ne t'en fais pas. A follower of that movement who said he's a Christian said, do not care. Entre dans ta chambre. Get into your room. Tu te déshabilles. And you get naked. Tu restes nu. You stay naked. Et tu pries contre lui. And you pray against him. Cette prière monte vers qui? That prayer will go up to whom? Au diable. To the devil. Tu n'as pas besoin d'être prophète. You don't need to be a prophet. Pour savoir qu'on te dit d'être semblable à Satan pour prier. To know that it is the prayer goes up to the devil when they tell you to be like Satan to pray. Elle s'est déshabillée, elle est entrée dans la chambre, elle a prié. She got naked and entered the room and prayed. Et les gens, les bandits ont agressé la personne. And robbers aggressed that person. Taillant le corps avec des couteaux. Cutting his bodies with knives. D'une manière sévère, pas superficiellement. In a very severe way. Quand tu fréquentes une mauvaise église, le pasteur peut t'envoûter. When you attend a very bad church, the pastor can bewitch you. Tu peux dire à un homme de Dieu, en attendant, je te donne mon terrain, tu pries dessus. You can tell a man of God, for the time being, I will give you my plot so that you pray on it. Après, il t'envoûte. And after he bewitches you, il arrache. And take it away from you. Un homme de Dieu. A man of God. Tu dois prier pour ta famille. You must pray for your family. Tu dois leur donner, si tu as de l'argent, donne-leur à manger. If you have money, give them food to eat. Si quelqu'un a des problèmes, si tu peux l'aider, faut l'aider. If one of them have a problem, you can help him. Do so. Alléluia. Praise the Lord. C'est ça, être enfant de Dieu, vrai enfant de Dieu. This is what it means to be a true child of God.
Donc, les visions. So the visions. C'est un don qui vient de Dieu. It's a gift that is from God. Le diable donne ses visions aussi. The devil also gives his visions. Tu peux trouver une communauté. You can find a community où les gens n'ont pas cru en Jésus. Where people did not believe in Jesus. Où ils ont des visions claires. Where they have clear visions. Ne sois pas étonné. Do not be astonished. Tous les divins, all the divines, tous ceux qui ont l'esprit de Python, les esprits de serpents, s'ils forment un groupe de prière, il y aura des visions dedans. All those who form the spirit of Python and serpent, when they have a prayer meeting, they can have visions there. N'y restez pas parce qu'il y a des visions. Do not stay there because there are visions. Cherchez là où Jésus est. Seek where Jesus is. Lis pour nous Actes chapitre 16, verset 16. Read for us Acts chapter 16, verse 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Etc., etc. Alléluia. Amen. Une prophétesse, qui procurait un grand gain, un grand profit à ses maîtres. Who made a great profit to her masters? Était possédé par un esprit de Python. Was possessed by the spirit of divination. Qui lui permettait de voir. Which allowed her to see. Quand elle a vu les apôtres. When she saw the apostles. Elle a vu la gloire de Dieu. She saw the glory of God. Elle était en train de dire aux gens que ceux-ci sont les serviteurs de Dieu. She was telling people that those ones are servants of God. Personne ne le lui avait dit. No one didn't tell. No one taught her. C'est le serpent. It is the python. Mais les apôtres n'étaient pas comme les chrétiens d'aujourd'hui. But the apostles were not like the Christians of today. Paul a délivré la fille. Paul delivered her. Ses maîtres se sont mis à persécuter les apôtres. Her masters started persecuting the apostles. Donc quand je suis assis là, j'analyse toutes les visions. Quand les gens veulent me parler. Je dis non, je suis en train d'écouter les témoignages. So parce que je discerne toutes les visions. J'écoute. So when I'm sitting there, I take time to analyze all the visions. Even when somebody wants to speak to me, I tell him no. I have to listen to the testimonies. J'avais rencontré une dame qui avait beaucoup de visions. I met a woman who had a lot of visions. Je lui disais que tes visions ne viennent pas de Dieu. I told her that your visions are not from God. Je lui ai demandé de se repentir. I told her to repent. Elle a discuté. She argued with me. Après, elle a cédé. But after, she yielded. Elle a pris un jeûne de 3 jours. She took a three-day fasting. Au deuxième jour, elle m'a dit, mais les visions ont diminué. On the second day, she said that the visions have decreased. Je lui ai dit, tu vois, quel est le Saint-Esprit qui diminue quand on se sanctifie? And I told her, you see, what Holy Spirit decreases when you sanctify yourself. L'esprit de Dieu, quand plus tu te sanctifies, plus il augmente. The Spirit of God, the more you sanctify yourself, the more it increases. Si tu vois un esprit que quand tu t'approches de Dieu, lui il diminue, ça, il n'est pas l'esprit If de Dieu. If you see a spirit, when you draw near God and it decreases, it's not a spirit of God.
Donc la première chose. So the first thing. Et vous avez vu les jumeaux ici. Ce sont c'est les visions de 2018. And you saw the twins here. Il y a des frères qui ont vu des bébés en vision qui descendaient. Some brethren saw some babies in vision that came down. Et il y a eu beaucoup d'accouchements. And there were a lot of deliverances. Il y aura des mariages. There will be marriages. Comme Dieu nous a montré. As God has shown us. Il y aura des hommes âgés, je les attends. There will be grown-up people who are old. I'm waiting for them. Ils se sont déjà réveillés d'un profond sommeil. They have already woken up from a very deep sleep. C'est maintenant le tour de se marier aussi. It is now the turn to get married. Hallelujah. Praise the Lord. Il y aura des conversions dans nos familles. There will be conversions in our family. Les gens vont jeter la cigarette, jeter les pipes, jeter le people tabac. People will cast away pipes and cigarettes. Les gens vont abandonner les fausses religions. People will abandon false religions. Parce qu'ils auront le discernement illuminé. Because they will be enlightened. L'apôtre Paul disait que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Apostle Paul said that if our gospel is veiled, it is veiled for those who are perishing. Quand les gens sont dans le noir, when people are in darkness, tu peux prêcher un message authentique, ils ne comprennent rien et ils ne sentent rien. You can preach a genuine message, but they understand nothing, they feel nothing. Mais il y aura des conversions authentiques. But there will be genuine conversions. Et les gens vont t'aimer, ta famille, ils vont t'appeler, oh notre pasteur. Then people will love you, even your family, they call you our pastor. Ils vont te consulter. They will come and consult you. On va t'appeler maman. They will call you mommy. Si les gens viennent vers toi, ne fuis pas. If people come towards you, do not flee from them. Ils ne viennent pas te tuer. They are not coming to kill you. C'est Dieu qui exauce nos prières. It is God who is granting our prayers. Quand Dieu a béni David. When God blessed David, les gens allaient vers lui. People were running toward him. Il était obligé de poser parfois des questions. C'est avec un cœur sincère ou bien c'est comment? Sometimes he was to ask them questions. Is it with the sincere heart or what happened? Parce que c'est sérieux, c'est spontané. Because it's spontaneous and serious. C'est Dieu qui t'élève. It is God that raises you up. Tu as intercédé pour les coupables. You have interceded for guilty men. Il y aura des emplois. There will be jobs. Les frères vont réussir. The brethren will succeed. Au concours difficile. They will succeed difficult contests. Sans corruption. Without corruption. Les portes seront ouvertes. Doors will be opened. Même l'enchantement ne pourra pas te bloquer. Even enchantment will not be able to block you. Les visions que nous avons vues vont s'accomplir. The visions we have seen will be fulfilled. Jésus a dit, Jesus said, si deux personnes ou trois personnes se rassemblent en son nom, il est au milieu d'eux. If two or three people gather in his name, he is in their midst. Maintenant, si tu n'es pas venu ici, au nom de Jésus, prends ton sac, tu sors. Now, if you do not come here, in the name of Jesus, you take your luggage and you get out. Que tous ceux qui ne sont pas venus au nom de Jésus partent chez eux tout de suite. Let all those who did not come here in the name of Jesus go home right now. Tu es là au nom de Jésus, n'est-ce pas? Amen. You are here in the name of Jesus. Donc Jésus est là. So Jesus is here. Jésus est là. Jésus est là. Jesus is here. Dis, je proclame, say, I proclaim, que nous sommes là, that we are here, au nom de Jésus-Christ, in the name of Jesus, dont Jésus est là,
So Jesus is Il est venu au rendez-vous. We have come, he has come to the rendezvous. Il a béni les rendez-vous avant même de monter au ciel. Il avait déjà tout béni. Before he gets up to heaven, he has already blessed everything. Quand nous disons Seigneur, nous prions que tu viennes avec nous. Ça c'est le langage humain. Nous sommes très faibles. When we say, Lord, il est là. Depuis, il est là. When we pray, saying, Lord, come with us. This is a human language, and it is weak. Dis, je proclame. C'est un proclame. Que Jésus est là. That Jesus is here. Jésus est là. Pendant que tu proclames, while you are proclaiming, tu crois. You believe. Tu crois. You believe. Dis, je proclame. C'est un proclame. Que Jésus n'est pas seulement dans la salle. That Jesus is not only in the room. Il est en moi. He is in me. Il est en moi. He is in me. Même si tu n'as pas encore cru. Even if you are crois not maintenant et commence à faire comme nous. Quand on va t'appeler, tu seras prêt. Even if you have not believed yet, believe now and do as us. When we call you, you will be ready. Si tu es là pour la première fois, if you are here for the first time, si tu es encore dans le monde, that you are still in the world, si tu vis encore dans le péché, if you still live in sin, pendant qu'on prie, while we are praying, ouvre ton cœur, open your heart, deviens enfant de Dieu, become a child of God. Ne te comporte plus comme un étranger parmi nous. Do not behave yourself like a foreigner in our midst. Dis à Jésus, moi aussi, tell Jesus, I too. Je suis ton enfant. I am a child. Il va te bénir. He will bless il te connaît. You. He knows you. Il entend, il écoute. And he listens, he hears. Dis, je proclame. Say, I proclaim. Que nous sommes là au nom de Jésus. That we are here in the name of Jesus. Donc Jésus est là. And so Jesus is here. Il n'est pas seulement dans la salle. He is not only in the room. Il est en nous. He is in us. Dis, Jésus est en moi. Say, Jesus is in me. Dis, Jésus est en moi. Jesus is in me. Dis, je suis un enfant de Dieu. Say, I'm a son of God, a child of God. Jésus a fait de moi un enfant de Dieu. Jesus has made of me a child of God. Jésus a fait de moi une habitation de Dieu. Jesus has made of me a dwelling place of God. Alléluia. Praise the Lord. Tu as tes sujets de prière. Do you have your prayer topics? Nous allons nous lever. We are going to stand up. Chacun présente ses besoins à Dieu. Each one is going to present his needs. Ça va s'accomplir, frère. It will be fulfilled. Dieu exauce, frère. God grants. Quand les gens rendaient témoignage, vous entendez, j'avais dit 10 besoins, 6 sont déjà exaucés. When people were testifying c'était here, ici, c'était ici. 10 needs and 6 have been granted. It was here. Écris quelque part. Ne sois pas superficiel. Écris Do des choses. Do not be superficial. Que tu write peux the things vérifier après. That you can check later. Dix choses. 10 things. Le Seigneur m'a révélé que les besoins des hommes. The Lord has revealed to me that the needs of man les tyrannies makes them get into difficult conditions. Les besoins maltraitent. The needs ill treat you. Les besoins créent le doute. The needs create doubts. Les besoins créent l'inquiétude. Needs create worries. Les besoins créent la frayeur. Needs create fear. Les besoins créent l'angoisse. Needs create anguish. Les besoins créent le manque de repos. Needs create the lack of rest. Les besoins créent l'anxiété. Needs create anxiety. Et le Seigneur m'a demandé de prendre ça au sérieux. The Lord told me to take this seriously. Donc j'ai inscrit ça comme un chapitre dans le ministère de délivrance. So I have taken it as a chapter in the ministry of deliverance. Et il a ouvert mon esprit pour constater que c'est toute une doctrine dans la Bible. So he opened my mind to realize that it is all a whole doctrine in the Bible. L'art de présenter les besoins à Dieu. The art of presenting your needs to God. Dieu a enseigné clairement que le croyant ne doit pas avoir peur. Il doit savoir présenter ses besoins à Dieu. God taught clearly that the believer must not be fearful. He must know how to present his needs il dit to God. Ne vous inquiétez de rien.
He said that do not worry about anything. Mais en toutes choses, but in all things, faites connaître vos besoins à Dieu. Make your needs known to par God. Des prières by prayers et des supplications and supplications avec actions de grâce. With thanksgivings. Vous voyez comment il dit ne vous inquiétez de rien. You see how he says do not worry about anything. Il y a une relation entre les inquiétudes et nos besoins. There is a relation between the worries and the needs. Le besoin même de t'habiller. The needs to get dressed. De manger. To eat. De payer le loyer. To pay your rent, your de house guérir rent. D'une maladie. To be healed from a sickness. D'être délivré d'un oppresseur. To be delivered from an oppressor. Le besoin de trouver du travail. The need to find a job. De trouver un conjoint sérieux. To find a very serious partner. Il y a plein de bandits dans le monde. Il y a plein de bandits there dans le monde. There are plenty of robbers, bandits in dès, the world. Dès qu'ils voient une femme, je veux faire enfant avec toi. As soon as they see a woman, I want to have a child with you. Mais la Bible dit, but the Bible says, l'homme quittera son père et sa mère. Man shall leave his father and his s'attachera mother. S'attachera à sa femme. Shall bind himself to les his wife. Les deux deviendront une seule chair. And both will become one flesh. Donc quand les femmes sont devant tous ces bandits, so when women are before all these robbers, il y a la peur. There is fear. Est-ce qu'il est sérieux? Is he serious? Est-ce qu'il est vrai? Is it true? Est-ce que c'est un vrai homme? Is he a true man? Est-ce qu'il connaît Dieu? Does he know God? Et quand tu vois ton âge avancer, and when you see my old age, ça te trouble. It troubles you. Et le Seigneur m'a fait comprendre. And the Lord made me understand qu'il faut montrer aux enfants de Dieu that you must show the children of God qu'il a prévu. That he has planned. Que s'il prie, il va exaucer. That if they pray, he will grant. Jésus a dit. Jesus said. Demandez. Ask. Je le ferai. I shall do it. Hallelujah. Praise the Lord. Et la parole de Dieu dit. And the word of God says. Approchons-nous donc de lui. Let us draw near to him. Avec des cœurs sincères. With sincere hearts. Avec, dans la plénitude de la foi. In the fullness of faith, le corps lavé d'une eau pure. Bodies washed with et le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Water and heart purified from bad conscience. Approche-toi de lui. Draw near him. Avec assurance. With assurance. Ne crains pas, c'est ton père. Approche-toi de lui. Do not fear, it is your father. Come near him. Approche-toi de lui. Come near him. Si tu présentes tes besoins à un être humain, il te dira que ça là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ne prie pas comme ça. If you present your needs to a human being, he will tell you this is not the will of God. Do not pray so. Cette prière. This prayer. À ton père. To your father, n'a pas besoin de censeur. Does not need any go between. Personne ne doit contrôler ça, ne montre même pas un être humain. No one should control check it. Parle directement à ton Dieu. Speak directly to your father. Même si tu as 110 ans, si tu veux encore te marier, prie. Even if you are 110 years old and you want to get married, pray. Dis amen. Say amen. Si ce n'est pas bon, il est ton père, lui-même va te dire. If it is not good, he is your father, he himself will tell you. Je n'ai aucun droit de te dire ne fais pas ça. I have no right to tell you not to do it. On appelle ça importuner Dieu. That is, we call it to importune God. Ton père même demande que tu importunes. Ce n'est pas moi qui dois te dire n'importune pas ton père. Even your father asks you to importune him. Et importuner peut être dans la persévérance. To importune. Dans le temps. Maybe in perseverance in the time. In time. Et ça peut aussi être dans la qualité du besoin que tu lui présentes. It can also concern the quality of the need that you present him. Hallelujah. Praise the Lord. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Commençons la prière. Let us start prayer. Sois concentré. Be concentrated. Ce n'est pas un démon. Dieu n'est pas un démon pour crier waouh 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 à ses oreilles. God is not a demon for you to cry out in his ears. Parle noblement. Speak nobly. Tu peux prier en français ou dans ta langue maternelle ou en anglais. You can pray in French, in your mother tongue, in English. Ou en arabe.
Or in Arabic. Tu peux parler en langue. You can speak in tongue. Et l'essentiel, c'est que tu sois rassuré que tu as parlé à ton père. The essential is that is for you to be ensured that you have spoken to your father. Donc, moi-même, je vais me concentrer aussi. I too will concentrate myself. Ça peut te concerner directement. It can concern you directly. Comme ça peut concerner une autre personne. It can also concern another person. Pourvu que ce soit pour toi une réelle préoccupation. Provided it is for you a real concern. Avec assurance. With assurance. Pray in tongues. Dieu, oh Père. Dieu, oh Father. Toutes choses te sont possibles. All things is possible to exauce-nous, exauce-nous. Grant us. Exauce-nous, Seigneur. Grant us. Continue à prier. Continue to pray. Dis au Père. Say, oh Father. Je ne suis pas digne. I'm not worthy. Et à ce niveau d'intercession, si tu as des choses à confesser à Dieu, tu confesses. At this level of the intercession, if you have things to confess to God, then confess it. Confess them. Si tu as révélé qu'il y avait un blocage. If he has revealed to you that there was a blockage. Enlève le blocage. Remove it. Et le Saint-Esprit peut te conduire à lui à faire un vœu à Dieu. The Holy Spirit can lead you to make a vow to God. Les vœux. The vows viennent, c'est comme si c'était du carburant dans la supplication. It is just like a fuel in supplication. Ça vient enflammer. It comes to set on fire. Anna dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, Anna told God, if you give me a child, je vais te le consacrer. I will consecrate him to you. Ça touche le cœur de Dieu. This moves of the heart of God. C'est pour cette raison qu'il est écrit, faites des vœux et accomplissez-les. That's why it is written, make vows and fulfill them. Dans une église normale, comme nous nous efforçons de in a normal church, as we are making effort to do, on ne peut pas te dire, don't tell some à Dieu pour ton problème. We cannot tell you, give such an amount to God for your problem. Il est biblique. It is scriptural. Qu'un croyant dans son intercession, that a believer in his intercession, fasse des vœux volontaires, makes deliberate vows to God. Qui ne dit à personne. It tells no one. Dans sa transaction avec Dieu. In his transaction with God. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Je dis ça parce que certains se sont beaucoup promenés avant d'arriver ici. I say this because some of you have wandered a lot before getting on here. On ne te dira jamais que pour ton problème là, donne 10 000. We will never tell you that for your problem, give 10,000. Nous ne saurons même pas où mettre ça. We will not even know where to put it. Mais si dans ton intercession personnelle, but if in your personal intercession, dans tes supplications, in your supplications, le Saint-Esprit te dit, the Holy Spirit tells you, dis à Dieu, tell God, que si tu m'exauces, that if you grant me, j'irai en mission, I will go to mission, tu es libre, you are free, et Dieu va t'honorer, and God is honor you, will honor si you, si tu dis à Dieu, if you tell God, si tu m'exauces, if you grant me, je te donne 1 million, I will give you 1 million, ça c'est un
une transaction avec ton père. This is a transaction with your father. Ne mets pas quelqu'un dedans. Do not put someone in Mais it. Mais ne fais pas des supplications plates, Seigneur, donne-moi, Seigneur. But do not parle avec lui. Do not make flat supplications, saying, Lord, Dis-lui qui tu es pour lui. Tell him who you are for him. Qui tu comptes devenir. What you think you'll become. Le psalmiste pouvait dire à Dieu, mais est-ce que ce sont les morts qui t'adorent? The psalmist could tell God, is it the dead people who worship you? Il voulait lui dire que laisse-moi vivant, je vais t'adorer. He wanted to tell him, let me alive so that I can worship you. Si tu me laisses mourir, est-ce que c'est dans le séjour des morts que je vais aller t'adorer? If you make me die, then is it in the Hades that I will go to worship you? Quand Dieu entend ça, il te donne la vie. When God hears this, he gives you life. Il ajoute les années. And he adds years. Dieu est sérieux. God is earnest. Toi, tu penses que tu n'es rien, mais lui, il te prend au sérieux. You think that you are nothing, but he takes you seriously. Il dit, je donne l'Égypte pour ta rançon. And he said, I give you Egypt for your ransom. Il dit, à cause de toi, j'envoie les ennemis contre Babylone. Because of you, I bring enemies against Babylon. Et toi, tu es là, tu penses que tu ne vaux rien. You are there, you think you're worth nothing. Le Dieu créateur, quand les gens viennent rendre témoignage ici, si tu regardes le physique, tu peux te dire que mais Dieu, qu'est-ce que Dieu fait même? Il vient, lui aussi vient honorer celui-ci. When people stand here to testify, you even ask yourself, what is God doing? He comes and honors such a person. Certains même le français là, ils ne connaissent pas, mais quand ils te disent ce que Dieu a fait là, tu te demandes, mais hey, Dieu, tu es bon. Some even cannot speak French correctly, but when they tell you what God has done, you tell yourself that God is good. Dis Père, say Father, tu es fidèle. You are faithful. Continue la supplication. Continue the supplication. Si c'est la maladie, tu dis à Dieu, tu peux me guérir. If it is sickness, tell God you can heal me. Il n'y a aucune maladie que Dieu ne peut pas guérir. There is no sickness God cannot heal. Tous tes besoins. All your needs. Les besoins spirituels. Your spiritual needs. La puissance pour lire la Bible. The power to read the Bible. La puissance pour jeûner. The power to fast. La puissance pour prier. The power to pray. La victoire sur un péché. Victory over sins. Le besoin d'un don spirituel. The need. Spiritual needs. Le besoin d'un don spirituel. The need of a spiritual gift. Tous les besoins. All the needs. Présente-les à Dieu. Present them to God. Le salut de ta famille. The salvation of your family. Présente-le. Present it to God. Présente à Dieu. Present it to God. Tenons-nous debout. Let us stand on our feet. Prends ton frère par la main. Hold your brother by your hand. Ça, c'est une prière commune. This is a commune prayer. Nous allons pousser un cri commun. We are going to raise to God a common cry. Tu supplies Dieu de nous exaucer. You plead God to grant us. Tu dis à Dieu, voilà nos besoins. Si tu veux corriger, corrige les mains et exauce-nous. You tell God, here are our needs. If you want to correct, correct them, but grant us. Dis à Dieu, si nous nous sommes mal exprimés, corrige mais exauce-nous. Tell God, if they are not correct, correct them, but grant us. David voulait construire une maison à Dieu. David wanted to build a house to God. Dieu lui a dit qu'il n'a pas besoin de maison.
God told David he doesn't need a house. Il n'habite pas les maisons faites de mains d'hommes. He does not dwell in houses that are made of by men. Mais il a pris l'initiative. But he took the initiative. Il a corrigé le plan. He corrected the plan. Il a redonné à David. And gave it to David. Dieu peut corriger ton sujet de prière. God can correct your prayer topic. Et il va t'exaucer. And he will grant you. Dis Père. So say Father. Corrige ce qu'il faut corriger. Correct what is to be corrected. Modifie ce que tu veux modifier. Modify what can be modified. Mais exauce-nous. But grant us. De telle sorte qu'il soit sûr. So that it can be known que c'est toi qui agis. That it is your hand. Que c'est toi qui agis. That it is your hand. Prions ensemble. Let us pray together. Kalabala makura balaba karabala makura bagaraga bagajoro bakagobra kuru bakajoro bakagobra bagajoro bakaraga joro bakaraga joro baka. Oh Père, exauce-nous. Oh Père, exauce-nous. Oh Father, grant us. Corrige ce qu'il faut corriger. Modifie ce qu'il faut modifier. Modify what is to be modified. Mais agis de telle sorte that so that que tout le monde dira. Everybody can say. C'est le doigt de Dieu, c'est le doigt de Dieu. It is the hand of God, the finger of God. C'est le doigt de Dieu, c'est le doigt de Dieu. It's the finger of God. Prions en langue. Let us pray in tongues. Kalabashara kabagara kashara kalabagara shara kalabagara kabagara kashara kalabagara shara kalabagara kabagara kashara kalabagara shara kalabagara. Dis Seigneur Jésus, Lord Jesus, nous invoquons ton nom. We call upon your name. Toi qui nous as dit demandez à mon nom. You said I'll ask in my name. Et je le ferai. And I'll do it. Dis Seigneur Jésus, Lord Jesus, exauce-nous. Grant us. Prie en langue. Pray in tongues. Kalabashar galabaga shar galabaga shar galabaga shar galabaga kuro galabaga shar galabaga shir galabaga shar kuro baka shar galabaga shir galabaga kuro baka shir galabaga kuro baka sabara galabaga kuro baka saga galabaga kuro baka siga galabaga shumbu kuro baka galabaga shana galaban kuro baka galabaga shebaran. Exauce Père, écrase là où il faut écraser, brise ce qu'il faut briser, écrase ce qu'il faut écraser. Brise ce qu'il faut briser, renverse ce qu'il faut renverser, détruis ce qu'il faut détruire, arrache ce qu'il faut arracher, exauce tes enfants, exauce Père éternel, que les cris de ton peuple montent à toi, que les cris de ton peuple montent à toi, Seigneur. Kalabala kabala de bakashenge, goro bakasegana, goro bakasera bashabala, goro bakasera balabasha. Ora bakashere gara bakara kashere bagalana ora makasamara kasabara ora bakasabara kasagara baga ora bakasagara bakasagara ora bakasagara bakasagara. Dis Père, écrase tout ce qu'il faut écraser. Crush whatever is to be crushed. Détruis tout ce qu'il faut détruire. Destroy all that is to be destroyed. Anéantis tout ce qu'il faut anéantir. Bring to naught all that is to be brought to naught. Exauce-nous. Grant us. Continue à prier. Assieds-toi. Get seated. Tu gardes le calme. You keep silent. Alléluia. Praise the Lord. Si tu as prié avec foi, if you have prayed with faith, crois que tu as reçu. Believe you have received. Si le Seigneur te dit, je te délivre de la mort, crois. If the Lord tells you, I deliver you from death, believe. Si le Seigneur te dit, je te guéris, crois. If the Lord tells you, I heal you, believe.
Parce que là, tu as un avantage. Because you have an advantage. Parce qu'il dit, si tu pries, because he said if you pray, si tu crois que tu as reçu, and you believe that you are received, tu verras la chose accomplie. You shall see the things being fulfilled. Après, il te dit, and after he tells you, je te guéris. I heal you. Ça fait deux choses. It is two things. Pour certains, avec une seule chose, déjà, ils sont déjà guéris. For some people, with only one thing, they are healed. Mais toi, tu en as deux. And you have two. Ne doute point. Do not doubt. Pour être béni ce soir, for you to be blessed tonight, prie pour un ennemi. Pray for an enemy. Quelqu'un qui veut que tu meurs. Someone who wants you to die. Prie que Dieu ait pitié de lui. And that God have mercy on him. Quelqu'un qui souhaite que ta voiture se gâte même. Someone who wishes that your car be spoiled. Quand il a appris que tu as acheté la voiture, il est tombé malade. When he heard that you have bought a car, he fell sick. Quand tu t'es marié, when he got married, il est entré dans sa propre prison. He got into his own jail. Prie pour cette personne. Pray for that person. Il y a un niveau d'exaucement qui dépend de ça. There is a level of granting that depends on that. Ça peut être ton collègue, ton patron, ton mari, ton frère. It can be your colleague, your head, your brother, your husband. Un homme peut être jaloux, très jaloux de sa, contre sa femme. A man can even be jealous against his own wife. Si elle commence un long jeûne, tu souhaites qu'elle arrête, qu'elle échoue. When she starts a long fasting, you want her to stop and fail. Amen. Amen. Acclamons pour Jésus-Christ.